à tous. Je suis Marie-Cécile et je vais vous présenter Bergerac. Alors nous sommes ici dans un tout nouvel espace qui s'appelle Quai Cyrano, un espace qui est dédié au vin et au tourisme. Alors nous sommes ici sur le port de Bergerac, un magnifique endroit qui a été très animé auparavant avec le commerce des bateaux, des gabarres. Et aujourd'hui, donc, ce magnifique port a laissé la place à la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune place sur le parking. Et surtout, on a ce nouvel établissement qui s'appelle Quai Cyrano, donc un mélange de pierre et de modernisme, avec la partie donc, office de tourisme qui se trouve derrière moi. On a la partie espace vin au-dessus, et à terme, il y aura une présentation, une scénographie autour de Cyrano de Bergerac. Donc, le nouvel endroit de Place to Be à Bergerac. Let me talk about the wines of Bergerac and Duras. So we have here a few selection by the dry white wines to the rosé, the red ones and the sweet ones. We have a lot of sweet white wines in Bergerac. It's a specialty of the region. Je présente ici mon coup de cœur à Bergerac, ce magnifique ensemble immobilier. Donc cette maison date du XIIIe siècle et de façon certaine, nous savons que cette demeure appartenait à un très riche commerçant. Nous sommes ici dans un magnifique endroit qui est le marché couvert à Bergerac. Ce marché couvert était auparavant un temple protestant et il sera détruit et rénové à la mode pavillon Baltard, l'architecte des Halles de Paris. Cet endroit est ouvert du mardi au samedi et on y trouve énormément de produits qui sont d'excellente qualité. Nous avons ici tout ce qui est produit de la mer, donc avec un poissonnier qui est très souriant. Beaucoup de fruits et légumes de saison également proposés par un magasin qui ne fait que des produits locaux, bonjour. Nous avons également un fromager, nous avons un boulanger, nous avons des bouchers et c'est vraiment l'endroit où les Bergeracois aiment se venir pour faire leur marché en dehors des jours de marché de la ville. Alors, en Périgord, la gastronomie est une religion et il y a deux choses très importantes à connaître. C'est la présence des oies et des canards. L'autre trésor que nous avons ici, c'est ça, la truffe du Périgord, qui est délicieuse en omelette, en beurre truffé. C'est une tuerie. La France, grand pays du fromage, et le Périgord aussi a ses spécialités. Nous avons un type de fromage qui est très intéressant, qu'on adore, qui s'appelle le cabécou. Ce sont des petits fromages de chèvre que l'on mange froid avec du pain, par exemple, ou en salade, ou qu'on peut aussi faire griller. Il est fondant à souhait, c'est super bon. Alors ici, nous sommes à la limite de l'ancienne ville de Bergerac et la nouvelle ville. Le passage derrière moi permettait de fermer la ville le soir pour pas que les pèlerins, par exemple, puissent dormir dans la ville de Bergerac.